On approche cette finale-là en fait, d'une façon, je pense, préparée. Parce qu'avec Sussex, c'est une équipe qui a un plan de match un petit peu particulier. Ils sont uniques dans la ligue. Ils sont basés purement et simplement sur la vitesse. Ils ont battu le record de buts volés de la ligue cette année. Tu sais qu'ils sont très, très agressifs offensivement sur les buts et tout ça. Donc, on se prépare, nous, en défensive, quelques jeux différents un petit peu juste pour être certain d'être capable à répondre un petit peu à leurs attaques. Donc, on sait ce qu'ils vont amener sur le terrain. Nous, on est qui on est. Donc, on se prépare comme on peut. Là, mais c'est vraiment un petit peu plus de préparation que ça l'était contre Rockland, par exemple, parce qu'ils ont un style plus particulier. C'est toujours aussi excitant. Participer à une finale, c'est la chance de remporter un championnat. C'est le point culminant d'une grosse année de travail. C'est des joueurs qui potentiellement vont terminer leur carrière sur, en fait, à tout le moins la chance de remporter un championnat. Donc, c'est quelque chose de spécial. On est conscient du fait que c'est spécial d'avoir une chance de remporter un championnat. Donc, on en profite. C'est stressant, c'est excitant, c'est tout ça en même temps. Les Miners ont remporté le championnat de la saison régulière. Est-ce qu'ils doivent être établis comme favoris? Peut-être. Dans ma tête, à moi, dans mon cœur, c'est nous qui le sommes. C'est nous qui sommes les champions défendants de la Ligue, veux, veux pas. On a eu du succès contre eux cette année. On a fait quelques améliorations aussi au fil de pendant la saison. Donc en ce moment, j'aime beaucoup notre équipe, j'aime beaucoup le match-up un petit peu contre eux.